Un terrain de 20 hectares pour accueillir un nouvel hypermarché à Genay, à quelques centaines de mètres seulement de l'ancien centre commercial. Dans la commune voisine de Neuville-sur-Saône, ce projet d'une grande surface de 5000 mètres carrés inquiète les commerçants. Et cette libraire est à la tête de la fronde. Nous n'avons pas confiance dans le contrôle et des dimensions réelles que prendra ce projet. Le risque, c'est que vont devenir ces 20 hectares. Nous voulions, de la part de la métropole, une garantie que le centre commercial serait simplement limité à l'hypermarché Leclerc. Beaucoup se sont mobilisés dès 2017 contre la construction de cette grande surface. À l'origine de la polémique, une galerie marchande de plus de 1000 mètres carrés. Les commerçants neuvillois, suivis par la mairie, ont fait capoter le dossier. Aujourd'hui, le second projet, privé de galerie marchande cette fois, a été présenté par le propriétaire, toujours loin de convaincre. Si les commerçants redoutent une expansion non contrôlée de cette enseigne, du côté de la mairie de Neuville, les garanties semblent suffisantes. Aujourd'hui, le projet tel qu'il nous a été démontré aussi bien dans le cadre de la métropole que dans le cadre des communes me paraît absolument conforme à ce qui peut être supportable dans notre bassin de vie. Il n'y a plus de galeries marchandes, donc effectivement, je pense que le commerce de proximité peut tout à fait supporter qu'il y ait cette surface. Les commerçants neuvillois sont cependant bien décidés à poursuivre le combat. Un recours contre la version 2 du projet d'Hyper est présenté à Paris le 13 juin.